Oh. 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 Vous avez vu François Hollande aux Antilles, mais il a eu un succès fou. Il faisait des autographes, des photos, on l'embrassait, on aurait dit un chanteur en tournée, le boudiné créole. Non, puis il a été sérieux, François Hollande, il a même pas pris le temps d'aller à la plage. En même temps, heureusement qu'il s'est pas baigné, sinon en plus du réchauffement climatique, il aurait été obligé de parler de la montée des océans. François Hollande, il a été voir Fidel Castro qui l'a accueilli en survêtement. Et bientôt, il va rendre visite à Bouteflika qui va l'accueillir en pyjama. Il se spécialise en dictateur légumes. Comme ça, à côté, ça lui permet d'avoir l'air très dynamique. Alors à l'UMP, il y en a qui ont gueulé, ils ont dit « Oui, il y a des règles à respecter, c'est honteux de rendre visite à un dictateur. Un dictateur, on l'invite à l'Élysée, on le laisse planter sa tente. Alors pendant qu'Hollande se promenait aux Antilles, Sarkozy faisait un meeting en Seine-Saint-Denis. On comprend mieux pourquoi il a envie de redevenir président. Vous avez vu que Sarkozy, il a cité un livre de Victor Hugo, 1793. Pas de chance, ce livre s'appelle 93. Tu m'étonnes que Sarkozy ait des problèmes avec les chiffres, quoi. Quand tu vois les problèmes qu'il a pour compter ses dépenses de campagne, là. Non, mais 93 de Victor Hugo, je veux dire, pourquoi pas le cidre de Corneille. Victor Hugo, qui, comme chacun sait, a aussi écrit Les Minables et Notre-Dame de Neuilly. Non, mais vous avez remarqué, Sarkozy, moins on l'écoute, plus il parle. Alors que Hollande, plus il parle, moins on l'écoute. Non, mais il y a quand même eu des bonnes nouvelles. Hein. Kate et William ont eu leur deuxième enfant. Ma nièce aussi a accouché, mais on en a moins parlé. Quand j'ai vu autant de monde qui attendait devant la maternité, j'ai cru que Kate, elle allait accoucher de l'iPhone 7. Non, mais attends, elle est incroyable, cette Kate. Elle accouche le matin, elle sort à 14h avec un brushing parfait, les kilos en moins. Ma belle-sœur, elle a accouché il y a un an, ça rend pas pareil. Faut dire que ma belle-sœur, quand elle voit des petits princes, elle les mange, hein, mais bon. Et à part Kate, la seule personne que je connais qui n'a pas pris un gramme après avoir eu un enfant, c'est ma voisine. Elle a adopté. Non, mais je sais pas si c'est bon pour la cause des femmes de sortir aussi vite de la maternité en pleine forme. Vous imaginez après les femmes qui vont revenir au travail. « Oh, monsieur le directeur, je suis un peu fatiguée, j'ai un baby blues, je sors juste de congé maternité. » Et oh, pas d'histoire, hein. Regardez Kate. Mon beau-frère, il me dit « Ouais, ma femme, un an après l'accouchement, c'est encore un phoque. » Surtout quand on compare à Kate. Je lui dis « Et toi, t'as vu ta tronche par rapport à William ?» Toi, le seul truc que t'as de princier, c'est quand tu restes longtemps sur le trône. Et Marine Le Pen, elle a eu un 1er mai pourri, hein, entre les fémènes qui sont mis à poil et son père qui se pointe. Il aurait plus manqué que son père se mette à poil. Du coup, la fille a suspendu le père. Le père a maudit sa fille qu'il considère comme une félonne. Le Pen, il se croit au Moyen-Âge. Enfin, le Moyen-Âge de Le Pen, c'est pas les visiteurs. Hein. Ce serait plutôt le seigneur des fachos. Il y en a qui disent, oui, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen ne sont pas pareils. C'est vrai. Le papa est antisémite, la fille est islamophobe, ça n'a rien à voir. Papa n'aime pas les gens circoncis qui mangent pas de porc, alors que la fille n'aime pas les gens circoncis qui mangent pas de porc. Moi, celle qui me fait vraiment peur, c'est la nièce Marion. Elle a que 25 ans, mais alors j'ai calculé que si elle a autant de longévité que son grand-père, on a encore 60 ans à la supporter. Vous avez vu que selon un sondage, Jacques Chirac et François Mitterrand seraient les présidents préférés des Français. Et ça, ça a beaucoup rassuré François Hollande. De savoir que dans 30 ans, il sera enfin aimé. Franchement, moi, je trouve que les gens critiquent trop François Hollande. Je veux dire, ça va, il fait ce qu'il peut. Je vois mon cousin, il m'a dit « Oui, Hollande, c'est Michael Jackson. » J'ai dit « Comment ça ?» Il dit « Oui, il est blanc, il avance à reculons et il cherche ses couilles. » Pour connaître, il y a des trucs qu'Hollande il fait très bien, je veux dire. Par exemple, il est super pour vendre les rafales. Il est tellement motivé pour vendre les rafales que bientôt on va en trouver à Franprix. Vous avez vu qu'à Béziers, le maire FN aurait fiché les enfants en déduisant leur appartenance religieuse d'après leur prénom. Mais un prénom, ça permet pas toujours de deviner l'origine. D'accord,
Samira, c'est plutôt musulman. Rebecca, c'est plutôt juif. Marie, c'est plutôt catholique. Mais je veux dire, par exemple, quand tu t'appelles Kevin en France, c'est pas américain, c'est plutôt blaireau. Quand tu t'appelles Robert, ça peut être Robert Redford, le vieux beau gosse, ou Robert Ménard, le vieux gros beauf. Et pareil pour François. François, ça peut être un prénom de pape ou de président. Mais dans les deux cas, pour arranger les choses, ils attendent un miracle. Anne Roumanoff. Au top, Anne.